sociale, les policiers ont manifesté cet après-midi. Ils avaient prévu initialement de se rassembler devant la préfecture de Lille. Et c'est finalement devant l'école de police de Roubaix que près de 400 agents se sont réunis. Les syndicats dénoncent des suppressions de postes, des fermetures de commissariats à Fourmies par exemple, et la politique du chiffre imposée aux policiers sur le terrain. On écoute ce syndicaliste au micro de nos reporters, Fanny Détombe et Frédéric Regnault. On annonce donc le transfert police-gendarmerie. Donc il y a 53 fonctionnaires de police à Fourmies qui seraient remplacés par une quinzaine de gendarmes. Bon, j'ai rien contre les collègues gendarmes. Mais concernant le rendu qu'on doit à la population, en plus ces gendarmes ils seraient basés à Avesnes-sur-Helpe, distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc les temps d'intervention vont augmenter. Les temps d'attente aussi pour aller déposer plainte, les gens vont devoir se déplacer. Donc tout ce service qu'on doit à la population ne sera plus rendu.